Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez les filles, alors j'ai toujours été très contente de venir vous voir par ici, mais alors aujourd'hui encore plus contente parce que je vais vous annoncer quelques petites, deux grandes choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis ces derniers mois et je peux enfin tout vous dire. Mais je pouvais jamais vous dire ce que c'était en fait parce que j'attendais tout simplement que tout soit prêt. Et ça y est, le jour J est enfin arrivé, donc c'est parti. Bon, les filles, je vous avoue que je suis très très contente de vous annoncer ça, mais je suis aussi un petit peu nerveuse. Voilà, j'ai des petits papillons dans le ventre et tout. Donc j'espère vraiment que ces deux projets vous plairont. Alors le premier, c'est la création de mon blog. Je suis vraiment trop trop contente parce que ça faisait un petit moment que je voulais avoir mon blog, que je voulais avoir mon propre site internet pour pouvoir vous partager plein de trucs. J'adore écrire, donc voilà, j'avais envie d'avoir une plateforme sur laquelle je pouvais vous écrire des articles de temps en temps, mais aussi un endroit où vous pourrez vraiment tout retrouver, c'est-à-dire que ce soit mes fringues, mes recettes, ma déco, que vous n'ayez plus à chercher par exemple après telle ou telle vidéo pour retrouver les choses que je porte ou les choses que j'utilise au quotidien et tout ça. Je suis vraiment contente et je suis d'autant plus contente parce que c'est Isaac qui a créé mon blog. Donc voilà, ça me touche d'autant plus parce que c'est lui qui l'a créé. Je lui ai dit ce que je voulais. Et d'ailleurs, je dois avouer que je suis très très fière de lui parce que voilà, il s'y connaît pas du tout en site internet. Il a regardé quelques tutos comme ça et il m'a dit, tu sais quoi, laisse-moi du temps, mais je vais te le faire ton site. Et franchement, je sais pas si c'est très objectif de ma part de dire ça, mais je trouve mon site juste trop beau, très frais et surtout très bien organisé. J'avais dit à Isaac que moi je voulais vraiment un truc bien clair avec des catégories qui soient bien claires, qu'il n'y ait pas trop de photos par-ci par-là. Enfin voilà, que tout soit bien organisé et il a fait ça vraiment à merveille. Donc je suis vraiment trop trop contente. Bien évidemment, je vous mets l'adresse en barre d'infos, mais je peux vous la dire aussi à l'oral. Donc c'est www.rosenmusk.com. Ah là là, j'ai le smile, mais jusqu'aux oreilles, quoi, laisse tomber. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc, dedans, vous y verrez mes fringues, ma déco, mes séances de sport, mes recettes, et puis bien évidemment, donc des articles de blog que je vous partagerai par-ci par-là. Donc, ça, c'est le premier projet. Et deuxième projet, parce que les filles. Le nombre de personnes qui m'ont laissé des commentaires en me disant, mais Sarah, pourquoi tu fais pas un e-book avec toutes tes recettes? Mais Sarah, tu devrais faire un e-book avec toutes tes recettes. Mais ça serait trop bien que tu fasses un e-book avec toutes tes recettes. Et à chaque fois, je me disais, je sais, je peux pas te répondre, mais c'est en cours, mais ça va arriver. Et le moment est enfin arrivé, donc je suis vraiment trop contente parce que je peux enfin vous annoncer que j'ai sorti mon premier e-book de recettes. Donc là, pour le coup, c'est des recettes salées. Je vous ai créé 20 recettes salées, les filles, c'est des recettes. Soit que vous n'avez jamais vu, soit que j'ai déjà partagé par-ci par-là dans mes vidéos une journée dans mon assiette, ou bien des fois c'est des photos que je vous ai publiées sur Instagram. Et je sais qu'à chaque fois que je mets une photo, vous me demandez toutes les recettes. Et dès que je vous parle d'un plat, vous me demandez la recette. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, il faut absolument que je regroupe tout ça dans un e-book. Là, j'ai mis vraiment mes 20 recettes que je fais le plus souvent. Toutes ces recettes, c'est des choses que je vais faire au moins une fois par semaine. C'est vraiment mes recettes fétiches. Et c'est beaucoup en fait de recettes, vous savez, très très conviviales. J'allais dire très copieuses, enfin pas copieuses dans le sens lourde, mais c'est pas voilà trois feuilles de salade qui vont se battre avec deux tomates cerises dans votre assiette. C'est des recettes assez classiques dans lesquelles j'ai vraiment mis des alternatives healthy, des alternatives qui vont être bonnes pour votre santé et qui vont pas vous faire grossir être en mauvaise santé. Donc, par exemple, vous allez retrouver mes lasagnes vegan. Donc voilà, c'est des lasagnes, mais encore une fois, avec des légumes, avec des légumineuses. Vous allez retrouver aussi mes spaghettis bolognaises. Pareil, j'avais posté une photo il y a quelques jours à peine sur Insta. Vous avez été nombreux à me demander la recette. Vous la retrouverez là. J'ai aussi mes recettes, vous savez, de mes bols de patates douces que je mets un petit peu, un assortiment et tout ça avec des patates douces, de l'œuf, pois chiche et compagnie. Vous retrouverez ça dedans aussi. Vous allez retrouver aussi ma version de la pizza végétarienne. Il y a aussi ma recette de galette au sarrasin. Il y a ma soupe de butternut. Il y a aussi un velouté de champignons. Enfin voilà, il y a vraiment plein de recettes. Il y a aussi un hachis parmentier, encore une fois healthy, vegan et tout. Et tout ça, c'est vraiment des recettes que j'aime énormément et c'est des recettes vraiment conviviales et familiales. Donc même si vous faites attention à ce que vous mangez, et ça veut pas dire que
que vous devez être la personne qui mange différemment des autres autour de la table. Vous pouvez très bien préparer ces recettes pour toute votre famille. Franchement, ils n'y verront que du feu, ils vont se régaler. Il y a plein d'épices, il y a plein d'herbes, c'est parfumé, c'est savoureux. Et vraiment, j'espère de tout cœur que mes recettes vous plairont. Et bien évidemment, les filles, je n'oblige personne à acheter mon e-book. Je vous en parle parce que voilà, j'en suis très fière et c'est la concrétisation d'un travail voilà, de plusieurs mois. Donc j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Mais vraiment, sachez que voilà que je vous aimerai toujours autant si vous n'achetez pas le bouquin. Et j'espère aussi de tout cœur que ça facilitera votre quotidien. Et que si vous faites partie de ces nanas qui m'envoient des messages au quotidien en me disant que vous avez envie de manger sainement mais que vous savez pas comment faire, que vous êtes démotivé, que vous n'avez pas d'idées, que vous n'êtes pas inspiré, et ben j'espère de tout cœur que mon e-book vous inspirera et vous donnera des idées justement et vous aidera à accomplir vos objectifs. Et vraiment les filles, voyez cet e-book comme plus qu'un simple e-book de recettes. Pour moi, c'est vraiment un échange qu'il y a de vous à moi et de moi à vous parce que voilà, j'ai souvent, enfin souvent, pas trop encore je trouve, mais j'ai fait quelques partenariats avec des marques, j'ai mis en avant des produits auxquels je crois bien évidemment, mais c'était jamais mes produits à moi. Et là c'est vraiment mon premier bébé parce que bien évidemment il y aura aussi un e-book de recettes sucrées et puis pourquoi pas aussi un e-book avec d'autres recettes salées que je vais inventer ou créer un petit peu plus tard. Mais voilà, voyez-le aussi comme tout simplement un soutien pour mon travail, un soutien pour mes futurs projets personnels comme professionnels aussi, parce que au-delà des réseaux sociaux j'ai aussi envie de mettre en place des choses qui vont faciliter la vie des femmes. Et voilà, je suis très émue de... Mais voilà, mais je suis vraiment très très émue parce que ce qu'il y a entre nous, c'est vraiment... c'est un truc que j'ai jamais ressenti de ma vie et c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Enfin voilà, c'est un lien qui est juste incroyable. Au quotidien, vous m'envoyez des messages tout simplement... adorable et tellement touchant et juste merci pour votre confiance parce que je sais à quel point c'est difficile d'encore une fois se relever quand on n'y arrive pas, quand on n'arrive pas à manger sainement, quand on comprend pas notre corps. Et je suis vraiment honorée de savoir que grâce à moi vous avez pu accomplir ce que vous vouliez et atteindre vos objectifs, donc merci. Et quand je vois que vous me taguez sur Instagram avec vos différentes recettes que vous reproduisez et tout, que vous avez vu sur ma chaîne, et ben ça me touche tellement tellement tellement, vous n'avez pas idée. Sur le blog du coup, enfin sur mon site internet, vous n'aurez qu'à cliquer sur recettes et ça va vous emmener vers une page où il y aura le e-book. Faudra cliquer sur le e-book, cliquer sur ajouter au panier et ensuite cliquer sur voir le panier. Une fois que vous avez cliqué voir le panier, ça va vous mener vers une page où faudra simplement valider votre commande. Et sachez que Isaac a eu la très bonne idée de vous permettre d'avoir 2 téléchargements au cas où, pour une raison X ou Y, si jamais, je sais pas, enfin sans faire exprès, vous faites une fausse manip sur le clavier et la page se rafraîchit et vous n'avez pas eu le temps de télécharger le e-book, vous avez un autre téléchargement. Une fois que vous aurez téléchargé votre e-book, vous allez recevoir une confirmation par mail. Moi, quand j'ai fait le test, la confirmation était dans mes junk. Donc, dans mes mails indésirables, donc n'hésitez pas à aller voir là. Étant donné que c'est un e-book et pas un papier concret, je vous conseille, quand vous ouvrez en fait le e-book, au lieu de le regarder vraiment une page après l'autre comme ça, je vous conseille de le mettre en configuration. Vous avez 2 pages comme ça, vous avez vraiment la photo de la recette d'un côté et la recette de l'autre, comme ça on a vraiment l'impression que c'est un livre. Et si jamais vraiment il y a un souci technique pour une raison X ou Y, n'hésitez pas à nous contacter. Tout en bas du site internet, il y a une partie contact et vous pouvez nous envoyer vos mails et Isaac est au taquet parce que c'est lui vraiment qui gère le site et qui va vraiment regarder si tout fonctionne bien et tout ça. J'espère aussi que le site ne va pas planter quand je vais mettre en ligne cette vidéo parce qu'on a fait notre maximum pour avoir un maximum de personnes en même temps sur le site. Mais si vous voyez que ça rame, c'est peut-être parce que voilà, je viens de communiquer et que du coup il y a beaucoup de personnes qui essayent de se connecter en même temps. Voilà les filles, écoutez, j'espère que ces 2 nouveaux projets vous plairont. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, surtout si vous reproduisez ces recettes, ça me ferait tellement tellement chaud au cœur. Et j'espère bien évidemment aussi vous retrouver très très bientôt en commentaire sous mes articles de blog. Vraiment merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout les filles, voilà, c'est ça le plus important. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.